Allez, premier au quart de finale, donc ça peut être un peu plus pour compter les points, pour absolument dans les 4 premiers à passer une d'arrivée. Pour se voir qualifier pour l'instant, c'est Dominique, c'est Emmanuel Ndongano, le pilote de Saint-Mont, c'est lui qui a pris l'avantage avec Lou Lapart à la deuxième position, et tout le monde gagné, le pilote de Boutini, pour l'instant, lui, à la troisième position, la quatrième place qualificative, pour l'instant, lui, sur les épaules de Claude Fidelis, du autre de Mazel, donc, c'est le quatrième étape qui peut attendre une qualification du groupe de tour, parti de l'Italie, et toujours celui de Emmanuel Ndongano, celui de l'Union, le pilote de Saint-Mont, la protège. La deuxième place, mademoiselle Loulou, la personne ne bouge pas de ce côté-là, qui vient gagner toujours en troisième position. On attaque la dernière ligne droite, il reste encore une place à prendre, un nom à citer. Et c'est la dernière place qualificative, elle devrait revenir, elle va revenir même à Claude Fidelis de la demoiselle des Jardins de Retenu. Allez, le deuxième quart final, en fait, que toujours, la règle est la même, elle va absolument être dans les quatre premiers. Et pour l'instant, c'est Joël Bouchard, la équipe des Forêts, qui a fait l'avantage. Avec Lenzo Peccioli, le pilote de Boutine en deuxième position, Yacine Carmanet qui est là également. À la troisième place, Daniel Grimaldi, le pilote de Boutine. Alors, il va faire sa là, il est à la tête, avec cette position, puisqu'il y a également Corentin Le Domaine qui est en tout. Le pilote de Boutine, c'est lui qui occupe la troisième position. Julien Bouchard, donc, pour l'instant, toujours en tête, Lenzo Peccioli. À la deuxième place, Corentin Le Domaine. En troisième position, et la quatrième place, à quatrième place, finalement, donc, Daniel Grimaldi, le pilote de Boutine, qui lui aussi. Sera présent tout à l'heure, Et il va falloir qu'elle s'approche de cette quatrième place parce que derrière, il y a une Bourgouron qui est là et qui met une pression énorme, bien évidemment. Mais ces quatre places, elles sont importantes puisqu'elles sont tout simplement qualificatives. Mathis et Lio, donc pour l'instant, vous êtes toujours en tête, ça ne bouge pas de ce côté-là. Vilain Bouchard à la deuxième position, la troisième place, Sofia de Mélissaoud de Berger et la quatrième place qualificative. Noah Reverb, 23e et Sofia de Mélissaoud, 4e, pour vous qualifier pour les demi-finales. Le dernier quart de finale, la sélection de l'Ouest, c'est une quatrième dernière place à distribuer avec Thomas Parmentier, notamment le pilote Gérardier, absolument bien sorti de la ligne, et c'est lui qui va dire en tête avec Tristan Adélaïde Bovin, pour l'instant, lui, à la deuxième position. Il y a Maxence Garcia qui est là également. Le pilote de Boutini, qui joue le temps, il est à la troisième place. Et sans oublier non plus, Fares et Kumer, le pilote de Torcy. Mais attention, attention, la partition par niveau de tout le côté de Jean-Leroy avec mademoiselle Vilena Gézet, qui fait elle aussi une grosse prestation à l'équipe. Pour l'instant, la troisième place, elle est revenue en troisième position à la côte du Nord. C'est toujours Thomas Parmentier, donc il se fait déborder maintenant par Tristan Vianney Pauvrin. Ah, les deux pilotes au côte à côte, donc je vais la qualifier. La troisième place, elle est par Vilena Gézet, la pilote de Jean-Leroy.